Salut, samedi, j'allais dire matin, mais non, bah non, il est midi. Je suis en train de tourner ma deuxième partie de vidéo, c'est je teste Pretty Little Things, la partie essayage, après j'ai le montage. Cet après-midi, je dois aller acheter un dessert parce que nous sommes invités chez des amis ce soir et c'est nous qui apportons le dessert. Donc j'ai encore une grosse journée boulot et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier donc que je suis en train de faire Pretty Little Things, je vous invite vraiment à aller la voir parce que j'ai déniché, en plus tout était en solde, des fringues, des accessoires, des chaussures hyper sympas à des prix évidemment très corrects je trouve. Voilà. Ok, c'est pénible, il est déjà 14h et je suis loin d'avoir terminé. J'ai pas envie d'être dans le speed, pas du tout. Il faut que je me calme. Je vais me faire des petits sandwichs avec du chèvre et poulet parce que ce soir, c'est raclette. Et vous savez quoi? C'est la première pour moi de l'année. Enfin, de l'année. Depuis l'hiver, quoi. Septembre, tout ça, octobre, novembre, j'en ai pas pris. Oh là 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 là, je vous prends. Bah, vous voyez que la luminosité est vachement plus tard. J'ai pas arrêté. Donc, entre le tournage, le machin, le montage, les close-up et le plot qui prend. Dès l'instant où je fais une vidéo de plus de 11 minutes, j'en ai pour un temps fou. Donc vu qu'en plus il faut qu'on parte à 18h, on n'est toujours pas allé en fait chercher le gâteau. Ah bah voilà, elle est bien ta chemise. Et bah faut qu'on y aille parce que quelle heure? 6h24. Oh, ça va le faire. Donc la tenue ça va être ça, ça, ça et les bottes. Et je rajoute ça. Est-ce que je vais vlogger ce soir? Pas sûr, c'est en fonction. Je vais demander déjà si elle veut bien que je vlogue et tout. Et puis, dans tous les cas, si je ne vlogue pas, bah, je vous reprendrai plus tard ou demain. Je ferai un vlog sur plusieurs jours, on verra. Ok. Alors, le challenge, 20 minutes pour tout faire. Ils sont beaux, hein. Alors maintenant, au début, je voulais prendre des petites mignardises, mais il n'y en a pas. Par contre, il y a des macarons, c'est sympa, ça. Voilà, j'ai choisi la tarte aux framboises. Elle est très belle. Très, très belle. Bah, on part là-dessus. Alors, le Nutellade. Nutellade. Deux, voilà. Deux caramels beurre salé également. Deux mangues. Deux framboises. Et deux spéculoos. Si, c'est super joli. Tu l'as eu où celui-là? Il est beau? Ah ouais. Je m'en suis douté, je m'en suis douté. Alors, apéritif terminé. Donc, c'est pas sa profession. Mais à côté, il fait des collages artistiques de malade. Je vous ferai juste après. Et donc, à Tim, on a un projet, on va se faire un truc entre nana. C'est quoi? Un petit week-end à Tours. Un week-end à Tours Spa. Donc, vous verrez tout ça. Et puis, il va une belle soirée. Voilà, ça va être cool. Après le repas, on regarde tes collages. C'est encore magnifique ce que tu as préparé. J'ai juste une raclette. Oui, bah, elle est belle, ta raclette. Fromage. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal de mettre le fromage. J'avoue. Caliente. La soirée est très très sympa. Et comme on vous disait, il y a un petit week-end spa entre filles qui s'annonce. Ça va être super sympa. Depuis le temps que je voulais faire ça avec elle, ça va être cool. T'as conscience quand même que ta salle, elle est magnifique. C'est une salle vidéo. Oui, oui, c'est un home studio. Mais là, tu restes des heures. Tu regardes souvent quand même? Vous regardez tout? Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique. Mais l'écran, est-ce que... Attends, est-ce que tu peux me filmer pour que vous vous rendiez compte? T'as juste à tenir comme ça. On voit un petit peu l'échelle, comme c'est ouais. Immense. Tu vois, là, on se rend mieux compte. C'est 2,30 m de base. Oh, le canapé, toutes les affiches. Et là, en fait, voilà. Ah, je te laisse filmer, tiens. Je vais vous montrer, je vais vous donner même... Son Insta, si ça vous intéresse. Clairement, c'est des créations, donc c'est unique, c'est des pièces uniques. Hein. Sorti tout droit de son imagination. Il y a tous les détails. Nicole et les diamants, ça s'appelle. Ah, parce que tu donnes des noms et tout. Ouais. Et ceux d'en bas que tu m'as montré. Oh là là. Les gens, soit ils le laissent comme ça, soit ils le mettent sous cadre. C'est du format A4, mais tu fais aussi plus grand. Pour l'instant, t'es vraiment que là-dessus. Si, je peux te montrer un plus grand studio. Celui-là, il est hyper fou. Celui-ci a énormément plu. C'est Dali, c'est ça? Enfin, inspiration. Ouais. T'en as fait un, Eric. Ouais. Dans son bureau, comme ça, une création. Ça, c'est plus grand. Attends, montre. Ah ouais, c'est tous les films, ta psychose. Ça, c'est... C'est une épouvante, donc que des films d'horreur, en fait. Ah ouais, d'accord. Sur les gilets jaunes, sur la répression policière. Attends, parce que... Il y a les lumières qui vrillent un peu. Sur la répression policière. Et c'est construit comme des vanités. Waouh. Mais là, tout ça, je découvre.
J'aime beaucoup les couleurs. Tu n'as pas peur de mettre de la couleur, justement? Ah, j'entends Eric qui arrive. C'est ici. Je suis sorti dehors. Il a mis mon manteau. Oh non. Tu sais quelle est l'origine de tout ça? De tout ça quoi? De ton travail? Collage? Non. Je vais te la montrer. Ah, c'est quoi ça? Les Beatles. C'est un jeune Pepper. Voilà. Les Beatles, les gars. Tu vas me le rendre ou pas? Oh la honte, mon manteau. Bon, ça va. Bon, on se retrouve dimanche matin. Il est quelle heure? Il doit être 11h. J'ai pris un bon petit-déj, un peu fatiguée, j'ai dû éteindre, il était 3h, il était 3h du mat. Ce matin, je suis partie courir, j'ai fait 10 km à peu près. Je déconne évidemment. Très très bonne soirée. Après, c'est sûr que le réveil, c'est toujours assez compliqué, quoique moi, ça va. Il y en a d'autres plus compliqués. Avant que j'oublie rapidement, je devais vous montrer ça hier, j'ai un peu zappé. Le contenu du bijou Emma et Chloé. Et puis après, je pense que je vais quand même grignoter. Aujourd'hui, j'ai décidé, vous voyez, de ranger, vraiment, parce que j'ai encore accumulé plein de choses. Il y en a partout, partout. Ils ont changé hein, depuis quelques mois. Et je trouve ça encore plus élégant, leur présentation. Je ne vais pas faire style, parce que j'ai déjà ouvert. Il s'agit d'un collier. Le pochon, hein, comme on appelle. Certificat d'authenticité avec les conseils au dos d'entretien. Le fascicule que je ne vous montre pas parce que ça va spoiler. Donc c'est un collier pendentif doré, il coûte déjà 59 euros, collier Eros, collection empreinte, médaillon en filigrane. Le collier Eros s'inspire de la sensualité de... Ah oui, c'est ça. Ça fait comme un effet dentelle à même la peau. Ici, le cercle symbolise l'éternité du sentiment et l'harmonie de l'être. Je vous le montre comme ça de plus près, puis je vais le porter rapidement quand même que... Même si j'ai pas le haut qui va super bien avec ce matin. Moi je l'ai mis au plus court, j'aime bien, il y a possibilité, donc tu peux le mettre plus long, j'aime bien quand c'est comme ça. Il est très joli, hein. Ça c'est vraiment une pièce qui se porte très facilement avec différents décolletés, même sur un pull. Donc voilà pour le petit bijou, Emma et Chloé de janvier. Et toi tu as fait la fête un peu hier? Oui, tu as dansé partout? On est arrivé, il nous avait bien enlevé la poubelle, bon, évidemment. Et il nous a fait quand même... Enfin, moi, il m'a fait la fête. Il a couru, il a dit « Maman, va dormir, j'en ai marre, c'est quoi ça ?» Ouais, donc je l'ai retiré hein, pour pas l'abîmer. Aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, j'espère, j'ai envie que ça soit ça, dédié au rangement. Je suis partie hier, rapidement, vous avez vu, j'ai même pas pu poster à l'heure. Il y en a partout. Et j'ai envie de déblayer, faire du tri, même au niveau de ma coiffeuse. Parce que j'ai de nouveau au niveau du make-up et tout. C'est fatigant, vous voyez? Et si j'arrive à faire ça, ça sera déjà très très bien. Il fait sombre dans cette maison, je vais quand même aller voir Eric. Je l'ai quitté en lui donnant un petit cachet pour la tête. Je vais faire des petites tartines vu qu'il a pas, ça passait pas ce matin. Bah voilà, c'est mieux. Allez, on aère, on se ventile et tout va bien se passer. Je rentre en phase de perte de tonus d'énergie. En même temps, je digère ma soupe. Pas grand-chose. Le ciel est magnifique. Ça me donne quand même envie d'aller me balader. Je pense que ça serait un peu dommage de rester là, mais j'ai pas la motivation. Ah, j'entends Eric. T'as réfléchi ou pas? À quoi? À aller se balader. Ah, il rigole. C'était sérieux ma proposition. J'étais bien, t'as vu, moi je me suis levée tôt, j'étais productive, j'ai fait plein de trucs. Et à chaque fois c'est ça. Tu te poses pour X raisons, là c'était pour manger. T'as la digestion là-dessus et c'est fini quoi. Tu pleures? Non, j'ai touché le chat d'ailleurs. Ah oui, il est un peu allergique au chat. Ça va sinon toi? T'as passé une bonne soirée? Très bonne. T'as fait quoi? J'ai fait la fête. T'as fait quoi genre? Je ne te rappelle plus. Oui. T'as fait quoi? J'ai fait tourner les... Les quoi? Les serviettes. Oh. Non, c'est pas vrai. T'as dansé? Ah oui. T'as pas bu du tout? Oh non. Alors, on ne boit pas d'alcool déjà sur YouTube. On peut faire la fête sans boire d'alcool. Oh.
faut sortir de ça. Oh, c'est vraiment dommage que tu ne montes pas ta tête. Vraiment. Il y a un truc à exploiter. Tu vas te recoucher ? Oui, parce que ça fatigue de faire la fête sans alcool. J'avais quand même des beaux projets juste avant. Je vous disais, je vais ranger, je vais faire ça, ça, ça. Alors, très clairement, c'est officiel, je n'ai plus 20 ans. Salut. Je m'assois, c'est compliqué. J'allais m'accouder, non mais la fille, elle la ramasse. Donc, ça c'est la tête de la nana qui a... C'est pas dormi, parce que j'ai pas du tout dormi. Qui s'est posée, on s'est posé avec Eric, on a regardé un film. Et là où c'est absolument dingue, je ne saurais même pas vous dire quel film j'ai regardé tellement je suis fracasse. Alors, ce qui est étonnant... C'est que je me suis réveillée, j'étais plutôt pas mal. Je me suis même dit, ouais, c'est cool, franchement, j'ai la forme. Et alors, c'est parti crescendo. Et là, il n'y a plus personne. Mais, on a faim. Lui comme moi, on a faim. J'ai mangé qu'une soupe, donc normal que j'ai faim. Et on se ferait bien un... Bah, McDo, évidemment, évidemment. Par contre, qui va avoir le courage d'aller chercher McDo, c'est ça. C'est là où ça peut être le plus compliqué. Donc, je vais clôturer maintenant... ce vlog et vous dire à demain pour la suite des aventures. Ok ? Allez, ciao !